Ça Salut, ça va toi? Très bien. Alors, je vais te poser quelques questions. On va parler en fait du pays qui s'appelle la Colombie. Ouais, d'accord. D'accord? Ouais. Donc, la première question la plus simple, enfin, plus simple entre guillemets, c'est que tu me trouves sur ce globe. Alors, ici, on a un globe du monde. Est-ce que tu pourrais me dire à peu près où se trouve ce pays qui Ah s'appelle là, la je peux te Colombie? dire exactement que la Colombie, que c'est ici. Très bien, oui. Voilà, juste à côté de Panama et Venezuela. D'accord. Donc, c'est situé sur quel continent? Bah, c'est l'Amérique du Sud. Très bien. Alors premièrement, si tu entends le pays Colombie, ça te fait penser à quoi si on te dit oui, je vais en Colombie En ou... fait, ça me renvoie d'abord à l'océan. L'océan, ouais. Après, c'est le football. Ouais. Après, c'est des belles filles. Peut-être c'est aussi. Ceci. Non, Oui. en fait, c'est tout. D'accord. Et si tu parles de football, est-ce que tu connais des footballeurs colombiens connus? Qui joue maintenant? Ouais, qui sont actuellement dans un club en Europe ou connus mondialement? En fait, non. Non, pas trop. Non. Et est-ce que tu penses qu'ils ont participé à la dernière Coupe du Monde en 2014, la Colombie? Bah, je crois, oui. Oui, d'accord. Comment tu pourrais décrire le climat si tu penses à la Colombie? Tu penses qu'il fait comment là-bas? Ah, il y a des palmes. Palmiers. Voilà, des palmiers. Il fait beau, il fait chaud tout le temps. Il y a beaucoup de sable, il y a beaucoup d'océan. Donc beaucoup de nature, tu veux dire, beaucoup Voilà, beaucoup de nature, beaucoup de peut-être de jungle. de jungle, ouais, Voilà. d'accord. Est-ce que tu connais des chansons ou des danses colombiennes Non, ou latina, des pas chansons, du tout. rien Mais du je tout? connais des danses latinas Ouais. comme salsa, Ouais. rumba. Ah ouais. Et Voilà. tu sais danser la salsa? Ah, j'ai déjà essayé. Et c'est bien? Ouais, ça me plaît beaucoup. D'accord. Est-ce que tu connais des chanteurs colombiens sinon connus mondialement? Non, Tu connais pas une personne. chanteuse très connue qui chante Loca Loca Loca? Non? Tu C'est connais qui? pas? Non, c'est qui? Shakira. Ah, voilà, elle est colombienne? Oui, elle est Ah, je ne colombienne. savais pas. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'habitants ou pas beaucoup d'habitants en Colombie en général? En fait, je pense à 40 millions, peut-être. À peu près 40 millions. Ouais, Voilà. t'es proche, ouais, c'est à peu près 46 millions. Voilà. Physiquement, si tu vois un homme colombien, tu trouves qu'il est petit, grand? Si tu dois décrire Ah, physiquement. qu'il est de taille moyenne. Taille moyenne. Taille La couleur de moyenne. peau, comment ils sont, tu penses? Bronzé. Bronzé en Voilà, général. toujours bronzé. Et je pense toujours des cheveux noirs. Cheveux noirs? D'accord. Et les filles, tu disais donc, tu penses qu'elles sont jolies, les colombiennes? Ouais, je pense parce que j'ai déjà vu beaucoup. D'accord. Est-ce que tu sais la langue parlée en Colombie? Ah, c'est espagnol. Est-ce que tu sais quelques mots en espagnol? Hola, me llamo Très bien, ouais. D'accord, ben c'est bon, il n'y a plus de questions, donc je te remercie beaucoup. Dima. Ok, merci Merci. Michel. Salut, la Casara. Salut, ça Alors aujourd'hui, on va parler du pays de la Colombie. va? D'accord. Alors, ben, premièrement, est-ce que tu saurais trouver sur la map du monde la Colombie? Alors, je sais que c'est en Amérique latine. Oui, l'Amérique latine. Et donc, plutôt ici. Alors, la Colombie, elle est là. Ouais, très bien. D'accord. Premièrement, est-ce que tu peux me dire si tu devrais décrire rapidement la Colombie si on te parle de Colombie, qu'est-ce que tu penses tout de suite? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Qui vient à l'esprit, je sais pas, les latino-américains, les belles nanas, très bien foutues, on va dire. Ouais. Après, ça me fait penser tout de suite à Shakira. Shakira Ouais, directement. voilà. Tu aimes bien sa musique? Ouais, j'aime bien. D'accord. Est-ce que tu aimerais voyager en Colombie si on te donnait un billet d'avion pour aller en Colombie là? Ah ouais, carrément. Ça t'intéresserait Ouais, beaucoup? ça m'intéresserait. D'accord. Est-ce que tu aimes bien les danses colombiennes en général aussi? Ou les danses latinas en général? Ouais, les danses latines en général, ouais, j'aime bien. Après, je sais pas c'est quoi la spécificité de la Colombie dans les danses latines, mais j'aime bien danser, j'aime tout ce qui bouge et puis Et t'aimes danser quoi à peu près en latino? bah je suis pas une danseuse, on va dire, je suis pas professionnelle, je danse pas tout, mais j'aime bien leur musique, j'aime bien bouger là-dessus, tu vois, et D'accord. j'aime bien voir leur chorégraphie. Je vois dans les clips, par exemple, ça bouge bien, c'est très vivant et j'aime bien. Il y a des couleurs, c'est très vivant, c'est chaud, j'aime bien. D'accord. Et tu connais d'autres chanteurs colombiens par Shakira? Je pense pas.
Peut-être que si j'entends des musiques, je dis, ah oui, ça, je connais ce morceau, mais je ne saurais pas dire si c'est colombien ou pas. Si c'est colombien. Par exemple, si tu dis la camisa negra, Non, je ne pense pas. Tengo la camisa negra. Non? Non, Tu connais pas? je pense En France, pas. c'était à la mode, t'étais peut-être pas en France. Non, pas encore. D'accord. Tu penserais qu'il y aurait combien d'habitants environ en Colombie, si on te demande? En Colombie. Tu penses qu'il y en aurait plus qu'en France, moins qu'en France? Moi, je dirais peut-être moins. Moins qu'en France? Ouais. Moins, plus ou moins, tu peux dire. Non, tu ne vas pas tenter. J'ose pas tenter. D'accord. Est-ce que tu penses qu'en Colombie, le climat, il est chaud, froid? Moi, je dirais un climat tropical, chaud. Chaud. Peut-être humide aussi un peu. Pas froid, en tout cas. Est-ce que tu serais la capitale de la Colombie? Attends. Ah, je suis pas très géographe non plus. J'ai déjà entendu parler. Je pense que tu me l'as déjà même dit, mais je m'en souviens pas. Ben, c'est Bogota. Ouais. Et est-ce que ça te choquerait si je te dirais, là, comme tu disais, qu'il fait chaud en Colombie, qu'à Bogota il fait plus ou moins 16 degrés l'après-midi? Ah ouais. Oui. Ah ouais, ça me choque ça. Oui, parce qu'en fait, c'est en altitude en fait. C'est pour Ah, ça. Donc, il fait d'accord. pas très chaud. Ben, ça dépend où, mais oui, il fait chaud normalement, mais pas partout. D'accord. Est-ce que tu aimes le football? Un peu, ouais, moyen. Est-ce que tu connaîtrais des footballeurs colombiens? Non? Un D'accord. Physiquement, si tu dois décrire un homme là, colombien, tu penses qu'ils sont plutôt grands, petits? Moi, je dirais à environ 1,70 m, entre 60 et 70, pas très grand non plus. D'accord, ouais. Et la couleur de peau, plutôt comme toi, bon, à peu près bronzé ou blanc? Ouais, plutôt comme moi. À la base, il est un peu plus blanc que moi, je pense. Je pense Mais plus il est blanc que moins blanc que toi. toi. D'accord. Et les cheveux noirs, tu penserais ou blanc ou. Alors, je dirais que, bah oui, ils ont des bruns, ils ont des cheveux noirs, et je pense qu'il y a des blancs aussi. D'accord, ouais. D'accord. Et une dernière question, quelle langue il parle en Colombie? Bah, l'espagnol, je pense, Et non? tu parles espagnol? Tu peux nous dire quelques mots ou tu n'en connais aucun? J'en connais pas. Aucun. Buenos dias, peut-être. Ah, c'est déjà ça. Voilà. D'accord, bah je te remercie beaucoup alors. Merci, Michel. Merci. Salut Lan, ça va? Ça va, et toi? Alors, très bien, ouais, Ouais. merci. Donc, tu chines, je vais te poser quelques questions. Donc, première question, nous voilà avec cette jolie map. Oui. Est-ce que tu peux nous montrer où se situe le pays de la Colombie sur cette map? À Colombie, c'est ici? Oui. Ici, oui, Ouais. d'accord. D'accord, donc est-ce que tu sais les couleurs du drapeau de la Colombie? C'est bleu, rouge, jaune. D'accord, donc tu mettrais horizontalement ou verticalement ces couleurs? Ah, j'ai oublié. Tu as oublié? D'accord, pas de problème. La capitale, tu la connais? Bogota. D'accord, si tu penses à la Colombie, tu penses qu'il y a plus ou moins combien d'habitants? 15 millions? Non. Ça va quand même. 40 000? Non. Oui. 30 millions. Plus vers les 40 et quelques millions. Ouais. D'accord. Si on te parle de Colombie, tu penses à quoi généralement? T'entends le Colombie, tu penses à quoi? Par exemple, moi j'entends Chine, je pense à riz. Toi tu penses à la Colombie, tu penses à quoi? Premièrement qui te vient à l'esprit en fait? L'espagnol. À la langue espagnole? Ouais. D'accord. Ouais. Mais le pays à proprement dit, est-ce que tu penses que c'est plutôt par exemple un pays exotique? Ouais, exotique, des fruits, peut-être. Ouais, des fruits, ouais. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'océans à côté de la Colombie ou... Ah, je connais pas. Non, tu ne sais Non, pas. non. D'accord. Est-ce que tu connais des chanteurs colombiens réputés mondialement? Ah, non. Aucun, aucun? Aucun. Non, il y a une chanteuse très connue, tu connais pas non plus? Ah, non plus. Shakira, tu connais pas? Ah, Ah oui. oui, je connais, oui. D'accord. Ou Juanes, tu connais Juanes? Ah, non. Tengo la Shakira, camisa non. negra, Non. Shakira, je connais. D'accord. Est-ce que tu aimes le football? Ça va. Est-ce que tu connais les footballeurs colombiens? Non, non, Okay. aucun. Est-ce que tu sais qu'en Colombie, il y a beaucoup de Chinois comme toi? Pas beaucoup, mais quand même pas mal. Oui, il y a pas mal de Chinois. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font en Colombie, tu penses, tes compatriotes? Quelle profession ils ont, tu penserais? Ils possèdent des épiceries, des petits magasins. Oui, des restaurants surtout. Ouais, ouais, des c'est ça. restaurants, oui. Ouais, c'est vraiment ça, ils font beaucoup ça les Chinois en Ouais. Colombie. Et est-ce qu'en Chine il y a beaucoup de latinos ou de colombiens en général? Ah, je
Je pensais plutôt à des latinos comme brésiliens, comment dire, des chiléens. Ah d'accord, des latinos d'autres pays. Physiquement, si tu penses à un homme colombien, tu penses qu'il est plutôt grand, plutôt petit, plutôt de taille moyenne? Fort. Fort, c'est-à-dire Oui, musclé fort. Oui, un ou... peu musclé, robuste. D'accord, Oui. robuste. Et la couleur de peau, tu penses qu'elle est comment, la couleur de peau? Un peu brun. D'accord, donc bronzé, quoi. Oui, bronzé, oui. D'accord, donc tu disais que la langue parlée en espagnol, en Colombie, c'est l'espagnol. Oui. Quel mot tu pourrais nous dire en espagnol? Hola. Gracias. Ah, très bien. Estación. Estación? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Station. Estación. D'accord. Aeropuerto. Ah, très bien, ouais, très bien. Okay. Est-ce que tu sais des danses latino ou des danses colombiennes? Tango. Tango, c'est colombien? C'est argentin. Ah, argentin, ok. Mais c'est latino, oui. Ok. Et d'autres danses qui seraient connues, tu connais pas? Cha-cha. La cha-cha? ouais. Tu sais danser la cha-cha? Ah non, non, non. Non. D'accord, ben, je te remercie beaucoup alors pour tes réponses. Ok. Merci. Merci. Bonjour, ça va? Ça va, bonjour Michel. Alors aujourd'hui, on va parler d'un pays qui s'appelle la Colombie. Alors, la première chose que tu peux nous dire, c'est est-ce que tu peux nous trouver le pays sur cette carte? La Colombie? Oui. Elle est là. J'étais ici, si je me trompe pas. Là, ouais, c'est D'accord. très bien. D'accord, alors est-ce que, premièrement, si tu entends le nom Colombie, ça te fait penser à quoi directement? Ah, ça me fait penser soleil, café colombien bien Ah, sûr. le café colombien. Si je parle des côtés négatifs, je dirais la violence, la drogue. Je D'accord. sais pas si le Colombien vont me détester ou quoi. Non, t'inquiète pas, ils sont très gentils. D'accord. Et si je te parle de filles colombiennes, ça te fait penser à quoi? Des filles jolies, des filles moches? Ah déjà, il y a Shakira qui me vient À l'esprit tout à de suite. l'esprit, ça, tout de suite. Ah ouais? Et elle est jolie ou pas de ton style? Jolie, j'imagine toujours, pas seulement Colombie, mais Amérique, Latine. Amérique latine. Que les filles sont jolies là-bas. Oui. D'accord. Niveau climat, si on te parle de Colombie, qu'est-ce que tu penses du climat? Tropical, j'ai envie de dire chaud. Chaud? Oui. Ouais. Tu sais ce que c'est la capitale de la Colombie? La capitale, je dirais Bogota. Bogota? Et tu penses qu'à Bogota, il fait très chaud là-bas? Bogota? Ouais. Franchement, aucune idée. Aucune idée? Oui. Je sais pas du tout. Ok. Est-ce que tu sais à peu près les couleurs du drapeau de la Colombie? Drapeau colombien, Ouais, les couleurs. c'est un drapeau composé des trois couleurs, je pense. Ouais, trois couleurs, je pense. Jaune, bleu, rouge, je sais pas si Ouais, c'est c'est bien ça, ça. j'aime le rouge, c'est bien. Et est-ce que tu connais des chanteurs à part Shakira colombien ou Non, je connais que Shakira. Shakira? Est-ce que tu sais les danses qui se dansent en Colombie, plus ou moins? Salsa, peut-être. Ouais, beaucoup de salsa, ouais. Et est-ce que tu aimes le football? Oui, justement. Est-ce que tu connais des footballeurs colombiens réputés mondialement, connus mondialement? Oui, il y a entre les gens, hein. James Rodriguez, quoi. Ah oui, James Rodriguez, c'est un très bon joueur. Tu sais où il joue, dans quel club ou pas trop? Il y a rien du Ouais, le coup. Real Madrid, c'est très bien ça. Est-ce que tu sais quelle langue est parlée en Colombie? Colombie, c'est l'espagnol. Espagnol. Est-ce que tu sais quelques mots en espagnol? Il y a quelques mots que j'ai appris ici l'année dernière, durant les séances des Lianette et toi. Ah oui, et tu as appris quel mot alors? Voilà, comment tu aimes? Ah très C'est la présentation. D'accord, et une dernière question, si tu dois décrire un homme colombien, tu penses qu'il est plutôt grand, petit, normal? Je sais pas, si je m'inspire à James Rodriguez, je dirais peut-être un pied. Un peu quoi là? Un peu petit, quoi. Un peu petit? Ouais. Et les couleurs de peau, tu penses qu'ils sont comment? La peau? Ouais. Blanc, peut-être. Fou. Blanc? Oui. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui ont ta couleur de peau bronzée en Colombie ou non? Franchement, je n'ai Aucune je sais idée? pas fréquenté beaucoup les Colombiens. Il n'y en a pas beaucoup au Djibouti? Jamais, je pense. Il n'y en a pas du tout? Oui, j'imagine. D'accord. D'accord, bah je te remercie beaucoup, hein. Merci. Merci.